Eh bien salut, c'est Albin Bino, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouveau défi, et le but est très simple, ça va être de faire top 1 en se lootant uniquement dans les bunkers. Par exemple, je tue quelqu'un, je n'ai pas de shield sur moi, eh bien j'ai quand même pas le droit de prendre le sien. Je dois terminer la game avec ce que j'ai dans mon inventaire du bunker. Encore une fois, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça m'aide énormément. Allez, on est parti. Ok les gars, on est directement parti pour cette première game, pour cette première tentative. Franchement, je vais pas aller dans une ville, je vais pas aller dans un spawn, je vais vraiment jouer safe parce que, bah, vous en doutez bien, j'ai le droit de me stuff que dans les bunkers. Donc, qui dit stuff que dans les bunkers dit ne pas avoir d'armes pendant les trois premières zones. Ça va être vraiment beaucoup trop galère si je tombe contre des gens. Donc, le but, c'est vraiment de se faire tout petit. Par exemple, là, j'ai trouvé des bandages, j'ai pas le droit de les prendre. Franchement, je vais juste essayer de trouver quelques balles pour la fin de game parce que sinon, ça va être compliqué. Et je vais juste essayer de farmer aussi. Comme ça, bah, j'aurai déjà du build. Et si je tombe sur quelqu'un, bah, par exemple, il a une voiture, il rota, etc. et qui me trouve, je vais pouvoir quand même me protéger un minimum. Donc là, je suis allé dans un endroit paumé. Il y a aussi un pad. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ok, ben on va se casser. Donc là, les gars, s'il chope une arme et qu'il me trouve, ben ça va être la galère. Donc au niveau du build, je serais bien quand je serais à peu près à 500 de bois, 500 de briques. Même si j'ai pas de métal pour l'instant, ça fait rien parce que ça va être un peu compliqué d'en avoir beaucoup. Et bien évidemment, vous en doutez bien que ben si j'ai qu'une pioche avec moi pendant les trois premières zones, ben ça va être compliqué de faire des kills, donc bah, il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo. Sauf si bien sûr il reste beaucoup de personnes jusqu'à la fin de zone. Et là, bah, bien évidemment, on va enchaîner. Bon là, je suis arrivé au petit manoir. Je vais essayer de prendre bah, des balles, comme je vous l'ai dit. Sinon, bah, ça va être compliqué. Parce que dans les bunkers, n'empêche, il n'y en a pas tant que ça des balles. Alors je vous le dis pas souvent, mais si vous avez des idées vraiment particulières en termes de défis ou peu importe de vidéos, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, je fais en fonction de moi et en fonction de vous. Si je vois vraiment que vous voulez une vidéo particulière, bah, j'hésiterai pas à la faire. Quoi. Voilà, faut quand même que je fasse attention. Parce que je suis pas loin de Grand Glacier. S'il y a quelqu'un qui m'entend et qui me rush, ben je suis mort. Alors je pense qu'on sera à peu près 20 dans la fin de zone quand les bunkers vont s'ouvrir. Parce que là, en vrai, ça part vite. Et là, niveau métal, au final, je suis bien. D'ailleurs, me demandez pas pourquoi je suis allé là. C'est tout simplement parce qu'il y a un bunker dans cette partie. Il est juste ici à côté de ce spawn. Donc je me dis pourquoi pas aller là. Donc j'ai vite fait regarder sur Fortnite GG. Si vous connaissez pas, ben c'est un site tout simplement qui référence tous les coffres, toutes les armes neutres, etc. Et c'est avec lui la plupart du temps que je fais mes vidéos spawn également. Bon, bien évidemment, après, on peut les regarder sur la map. Il faut quand même attendre qu'ils s'ouvrent. Donc là, bah, comme ils n'étaient pas ouverts, j'étais quand même obligé de savoir où il y en avait. Donc là, la deuxième zone, elle vient d'apparaître. Donc ça fait plaisir. Et même de toute façon, s'il n'aurait pas été dans la zone, bah, j'en aurais trouvé d'autres de toute façon. Je vais aller encore farmer un tout petit peu de pierre en bas. Je vais regarder d'abord s'il n'y a personne. Ouais, je pense pas. Ok, on arrive pas mal au niveau du build là. On est déjà bien. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. La deuxième zone est en train de se refermer. Et juste après celle-ci, eh bien, les bunkers vont commencer à s'ouvrir progressivement. Donc là, je me mets à côté du pad. J'ai fait une petite box parce que bah, je vais attendre. Et j'ai pas non plus envie de me prendre une balle de snipe. En plus, comme c'est un endroit qui n'est pas nouveau sur la map, il y a moins de monde. Donc ça me permet de rencontrer moins de personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, bref, les gars, là, c'est le moment d'aller ouvrir le bunker. Je crois qu'il est en train de s'ouvrir. Par contre, je vois des builds. Ok, ouais, il y a du monde. Ouais, il y a deux personnes. Ils sont en train de se fight. Aïe, aïe, aïe. Allez, dites-moi, j'arrive à temps. J'espère qu'ils vont pas terminer le fight trop rapidement. Parce que sinon, je vais pas pouvoir aller dans le bunker. Je crois que le fight est terminé en plus. Oh non. Est-ce que je vais réussir à aller? Ouais, logiquement, j'arrive. Ok, parfait. Là, j'ai un pompe. J'ai une grosse pote aussi. Ok, deuxième grosse pote. Je vais directement aller voir hein, parce que s'il arrive... Ok, parfait. Bon, là, j'ai un vrai stuff. Et je vais enfin pouvoir me fight. Par contre, les gars, j'ai pas beaucoup de heal. Donc, ça peut être compliqué. Ok, il y avait un kit aussi que j'avais pas vu. Là, je vais prendre toutes les balles aussi. Ça peut être trop bien, les grenades. J'ai perdu du shield en plus. Ah, non. Et il est pénible, celui-là. Je vous le dis. Vous savez quoi, je vais faire ça. Nice, let's go. Ok, toi tu retournes au lobby. Ok, par contre j'avais que deux kits, donc je vais en jeter un. Et là par contre j'ai plus de shield déjà. Objectif, trouver un autre bunker pour se remettre bien. Bon, en tout cas on valide notre premier kill. Alors où il y en a d'autres? Il y en a un qui est à ce niveau là. Par contre sinon il y en a pas d'autres dans la zone, donc je dois me dépêcher. Faut absolument que je trouve une voiture, donc je pense qu'il y en a à Reckless. Mais je dois quand même me dépêcher parce que la zone se ferme dans une minute. Donc vous avez bien vu les gars, on n'a pas triché. J'ai pris que bah, les deux kits que j'avais et j'en ai balancé un. Comme ça on est sûr de pas tricher. Ok parfait, il y a des voitures juste là. Ok, on y va rapide. On perd pas de temps nous. Il y a le bunker est juste en haut. J'espère qu'il n'a pas été loot hein, parce que sinon. Ok, là il reste des kits. Ok, il y a du shield. Parfait, ça aussi. Et là le truc qui pourrait me sauver, c'est aussi le médaillon qui permet d'avoir le mode sangsue. Donc faut absolument que je le trouve. Là il y avait d'autres mini, mais je peux pas les prendre. Ok, bah sinon là les gars, en fait ça va être mon stuff. Donc j'ai une mini pour me soigner, pas une de plus. Et surtout que je suis pas full shield, donc ça va être quand même très compliqué. Ok, donc l'île est juste là. Je vois qu'il y a des constructions, donc logiquement ils sont à côté. J'ai vu quelqu'un arriver avec des ailes aussi. Ok, il y a même deux personnes. Waouh. Il y a peut-être même quatre personnes. Attendez. Ok, moins 12 lui.
Ok, lui il a un médaillon, non? Non, peut-être pas. Il a pris une faille. Ok, moi un 36. Mac. Mort, parfait, il avait un médaillon. Bon, il avait celui du loup, mais c'est déjà pas mal. Là, je jette deux mini, il m'en restait une. Parfait, toi t'es mort aussi. Par contre, il m'a fait mal, les gars. Ok, faut que je mette la mini, s'il te plaît. Calme-toi. Ok. Crac. Mort, parfait. Attendez, non, il avait pas le bon médaillon. Oh non, j'ai le seum, il avait pas le bon médaillon. En fait, il a pas été pris. Oh non, mais je pensais qu'ils avaient été pris, moi. Oh non, mais du coup, je peux pas. En fait, je peux pas. Là, j'ai ma full vie. Donc, je vais me battre avec 100 HP. 125 HP, là. Je vais prendre le pad pour aller en zone. Oh non, je pensais qu'il avait le médaillon, moi. Ok, il reste encore 4 personnes. Il y en a un là qui va en zone. Il y a un autre gars à gauche. Ouais, lui, je pense qu'il est plus compliqué. On va se mettre dans un bush, on va l'attendre. Crac. Mort. J'ai plus de vie. Waouh. Ok. On n'est pas en zone en plus. Ok, bon là, j'ai 100 HP. Une balle de snipe, je meurs. Même une balle de l'air dans la tête, je meurs. Donc de l'air qui fait super, super mal là. Une balle de ça, je suis mort. Donc faut que je fasse super attention. Ok, j'ai entendu fight là. Je suis backstab. Allez les gars, dites-moi. Mort. Let's go ça. Nice. Ok, on flex un peu. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas si tu as des défis à me proposer dans les commentaires. Eh bien, j'essaierai de les réaliser. Moi, sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était El Bambino. Allez, ciao!